Eh oui, au bateau, des jet skis, c'est l'été. Il y a une petite pause pendant la compétition, la Coupe du Monde. On n'est plus trop. Il y a une petite pause avant les autres matchs. Je crois qu'on sera en quart de finale, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout suivi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de Viasté, là, et on est dans un endroit magnifique, à Saint-Florent. C'est le début de la saison, il est 5 heures, on est le 4 juillet, fête nationale américaine, mais aussi on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Pierre-François pour ce 4 juillet. Et on est là pour nos balades, vous les connaissez maintenant, hein, on se promène un peu dans toute la Corse, on vous fait visiter. Et on a un rendez-vous particulier aujourd'hui avec une personne qu'on aime beaucoup, avec Marie Ferranti, qui va nous faire visiter cette belle cité de Saint-Florent. Alors, on en profite, hein, puisqu'on est en direct, je regarde un peu les internautes qui sont là, qui commencent à nous suivre. Hop là, j'ai failli faire tomber le téléphone. Là, on est mal, hein. Cécile qui nous fait un coucou, Katia aussi, Laura, Pause Foot, bienvenue. Et oui, Laura, avec Pause Foot, bienvenue, on en a un peu marre, hein, de tous ces footeux. Christian qui nous regarde, Michel qui nous fait un bonjour de Nantes. Je vais baisser le son. Hop, Bage de Bretagne de la part de Marilyn. Et on va continuer notre petite Ayat qui nous fait un petit coucou, Marie-France aussi, Lorenz qui nous fait un petit bonjour, Pierre qui nous fait un coucou aussi. On va continuer notre petite balade, on va aller se promener, on va retrouver Marie qui est là, Marie Ferranti. Marie, bonjour, on est en direct, je fais un bisou. Comment ça va? Très bien, pardon. Très bien, merci. Je vais Tu tenir le moi le tiens? téléphone. Ouais, c'est mieux comme ça, on va se promener, hein. Tu Oui, vas nous faire d'accord. visiter parce que. Alors, on ne te présente plus, mais quand même, romancière, écrivain, beaucoup de publications, des prix, notamment le prix de l'Académie française. Et puis, depuis quelques années, on va dire, tu te pluridisciplines. Oui, c'est Hein, vrai, oui. tu as voulu un peu. On marche On marche, en on marche, parlant. on marche en parlant. Alors, vers où tu veux qu'on aille, alors, dis-moi. Alors écoute, je voudrais qu'on s'arrête un instant, parce que ce bar-là est un bar un peu mythique, tu vois, l'Escale, de mon ami Serge et Pascal, et ils ont repris une affaire familiale, mais c'était un des rares bars de Saint-Florent il y a très longtemps, et donc il y a quelque chose qui, enfin moi je suis une incorrigible nostalgique, et donc les lieux pour moi se superposent à leur propre histoire, si tu veux. Donc je viens souvent ici parce que ça me rappelle le village que ça a dû être, tu vois. Donc Un des plus vieux bars de Saint-Florent, c'est en fait. ça, c'est ça, c'est ça. Et donc c'est très agréable. Enfin voilà. Donc je voulais qu'on s'arrête juste un instant ici. Et C'est une institution à Saint-Florent. c'est une institution absolument. Et donc là on est en pleine saison, si tu veux. Hein. On est en plein mois de juillet, enfin au début du mois de juillet, mais Ça commence, ça hein. commence, Le ça monde, commence à c'est bouger. pas encore le plein, mais ça commence à bouger. Et Saint-Florent est un lieu qui est beau aussi en hiver, parce que le port, quand il est. Enfin, là encore, il y a quelques trous, et on a moins la conscience de l'eau, tu vois. Quand le port est plein, on a l'impression que la mer s'efface, tu vois. Et en hiver, on a plus cette sensation de la mer, et puis aussi, on a la sensation de la protection du port, vraiment. On sent que c'est une mer apprivoisée. Ça, c'est assez joli à voir aussi dans les lumières hivernales. Mais je ne vais pas faire Parce l'éloge de que l'hiver, hein, parce que bon, la mais. mer rentre doucement dans le C'est golfe, ça, c'est ça. se calme. C'est ça. Et puis, tu vois, le bassin, quand il est un peu noir, comme ça, reflétant le ciel un peu nuageux, c'est sublime. C'est très beau. Et puis, bon, Saint-Florent, c'est vraiment un positionnement géographique très particulier. On est à l'entrée du cap, Oui. on va dire. Il y a le désert des Agriates on est aux portes du désert des C'est Agriates. ça. Et puis, il y a ces plages magnifiques, Salech, Mafal, des endroits quasiment accessibles que par la mer, C'est hein, ça. et qui sont très prisés des touristes, mais aussi des insulaires. Bien sûr, tout le monde y va. On évite peut-être les mois les plus où il y a le plus de monde, mais on y va tous et on adore ça, oui. On fuit un peu le rush du mois d'août quand Oui, même. on le fuit parce que.
évidemment, on est moins à l'aise, on est moins chez soi, mais c'est intéressant aussi d'accueillir les autres. Et de, moi, souvent, je pense que on a une chance inouïe de vivre dans cette beauté. Parfois, on ne la voit plus, d'ailleurs, tellement on est habitué à elle. Et je suis assez heureuse de partager ces paysages, au moins, avec les autres. C'est-à-dire que j'imagine des gens vivant dans des régions moins favorisées que les nôtres, dans des villes, dans des lieux moins beaux. Et je me dis, évidemment, ils ont des éblouissements. Enfin, ils ont un éblouissement quand ils arrivent ici. Et moi, je trouve ça... voilà, j'ai beaucoup de à l'égard des touristes, je suis partagée sur le tourisme, mais les personnes elles-mêmes, je me dis que c'est plutôt sympathique de les accueillir plutôt bien et de leur faire découvrir cette magnifique région en particulier. D'être généreux par rapport à ce que nous, la chance qu'on a de pouvoir vivre dans un endroit pareil. C'est sûr que les gens qui habitent dans des banlieues, à Paris ou ailleurs... quand ils arrivent ici, on voit l'émerveillement dans les regards quand oui, même. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mépris pour ces personnes. Oui. Et je le regrette un peu, personnellement. Oui. On a toujours un peu de condescendance envers ceux qu'on appelle les Pumatades ou voilà, autres. Oui. Je trouve un peu détestable, moi, ça, de juger les gens sur leur apparence. Ça m'a toujours un peu gênée, parce que c'est jamais un signe d'ouverture. Et puis surtout... sans doute faut-il changer beaucoup de choses, mais cet accueil, s'il doit être un peu rationalisé, très certainement... Mais les gens, il ne faut pas les mépriser quand ils viennent ici. Enfin, je trouve, voilà, je voulais dire ça aussi. Alors, je vais faire des va-et-vient avec mon téléphone, non pas pour regarder si on m'appelle, mais surtout pour voir un peu les internautes qui réagissent souvent quand on est en direct. Hein. Donc, on a Nicole qui nous dit qu'il semblerait qu'il n'y ait pas encore grand monde. C'est vrai, il n'y a pas encore grand monde, mais ça s'agite un peu à Saint-Florent comme ailleurs. Hein. Patrice Bonnel qui saluait Jean-François Mey de ma part, le Popeye de la part de Corseham. Youssef qui dit non, ne fais pas ça, je ne sais pas pourquoi. Bruno Biancarel qui dit je suis là. Et Martine qui nous dit on voudrait bien passer cet hiver à Saint-Florent. Où peut-on trouver un logement? Je pense qu'il faut vous adresser. Il y a différentes agences immobilières ici et éventuellement vous pouvez appeler la mairie. André qui me dit bonjour, Saint-Florent, magnifique port. Voilà, on a les internautes qui nous suivent régulièrement. Une Pioubel, ou qui c'est qui nous dit ça? Didier Grasse, oui Didier. Une Pioubel, Pioubel ou Paez et Dégour, c'est Didier Vert. Hein. Donc toi, tu es originaire de Saint-Florent? Non, pas du tout. Moi, je suis mariée avec Lucien Bavenout, qui est totalement de Saint-Florent. Mais non, moi, je suis originaire de Bastia et même de mon village de Lintes, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui est derrière Murato. Et tu sais combien c'est important là, d'être ancré ici. Hein. Donc, tu sais, une fois j'étais à la presse et il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Monsieur Scotto, qui tenait cette presse avec sa femme. Ils étaient délicieux tous les deux. Et un jour, il me dit, mais il n'y a pas si longtemps, il me dit, ah, vous êtes de passage. J'ai dit, oui, ça fait à peu près 30 ans. Mais j'adorais être de passage. Mais toujours de passage. Quand on n'est pas ancré dans le lion, on est de passage. Et oui, c'est merveilleux ce mot, hein, franchement. J'ai adoré ça. Mais en même temps, bon, c'est ici que tu vis. Oui. Et puis c'est Saint-Florent et j'allais dire les villages alentours, c'est quand même pour toi une grosse source d'inspiration. Oui. C'est ici que tu écris aussi. Oui, ah oui, je n'écris qu'ici d'ailleurs. Voilà. Ça, oui. c'est, tu fais la bulle, la bulle créatrice, je veux dire. Ah oui, absolument. On va par où? On repart par là. Allez. Là, on est sur la place donc, de Saint-Florent, la place centrale. Hein. Oui, donc toi, la bulle créatrice, l'endroit où tu écris, où tu as besoin d'être, c'est ici. C'est ici. Je ne peux pas écrire ailleurs. En tout cas, quand je dis écrire, c'est vraiment composer un livre. Enfin. Moi, j'habite en face de la mer. J'habite à la sortie de Saint-Florent. Et vraiment, là, je suis coupée du monde. Et c'est une nécessité aussi, cette solitude. Et je me suis retrouvée en harmonie totale ici avec l'extérieur qui ne me parasite absolument pas, qui ne m'interrompt pas dans ma réflexion et qui a cette présence de la mer qui est merveilleuse, hein, parce que la mer c'est toujours différent, c'est toujours... On va passer par là. C'est toujours différent. C'est jamais la même image. Non, jamais. On peut se lever tous les matins, regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, ou le soir un coucher de soleil éventuellement. C'est jamais la même image. C'est une perpétuelle métamorphose. Et ça, c'est merveilleux. C'est jamais la même lumière, c'est jamais le même ciel. Et il faut être attentif à ça, parce que je crois que c'est ce lien qui est la médiation avec l'autre. Et la façon qu'on a de voir, de regarder le paysage d'abord,
nous en dit long sur les autres aussi, et sur le lien qu'on a avec les autres, et sur l'attention qu'on doit porter aux autres, il me semble. Et donc cette solitude dont tu as besoin pour écrire, évidemment, c'est la solitude de l'écrivain, de l'auteur, de la romancière, enfin des créateurs en général, j'ai l'impression que depuis quelques années, tu as envie de t'extraire de cette solitude et de fédérer autour de toi, autour d'un projet, et d'imprégner, j'allais dire, d'autres disciplines de l'art, artistique, hein, comme le chant, le théâtre aussi. C'est un peu l'idée, c'est un peu cette idée avec le projet, avec un projet comme Corse Odyssée, par exemple. Tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que il se trouve que il vient un moment où l'écriture et la grande solitude, vivant dans un lieu qui n'est pas très fréquenté non plus, on se retrouve un petit peu dans une situation d'impasse, si tu veux. Peut-être même pas artistique, mais un peu humaine. Et donc, je suis allée, je me suis mise un peu aussi au service des autres, si tu veux, de leurs talents. J'ai commencé avec Guy Calvé et Lily Campagnoli, mais pas seulement. Et puis, je suis allée voir mes amis peintres, comme Angelette ou Jean-Paul Pancraz. Et puis, j'avais noué un lien avec grâce à Facebook, avec un artiste japonais aussi, Takaki Takino, avec qui je suis toujours en contact et qui était venu en Corse. Donc c'était un besoin de respiration, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi un besoin d'expérimentation. Voilà, je trouve que la littérature est aussi un champ d'expérience, de laboratoire. Et il y a un besoin de confrontation aussi, j'allais dire confrontation de l'imaginaire, qui reste imaginaire quand on lit, quand on écrit, quand on lit, hein, à quelque chose de concret à voir. C'est un peu le cas quand on écrit des scénarios aussi, c'est-à-dire l'écriture, tout est possible, tout est on peut rêver. Donc, et puis après, on se confronte un peu au réel. Comment on peut tourner ça? Comment on peut rendre ça? Comment on peut rendre cette émotion d'une autre façon? Et ça demande une élaboration extrêmement complexe aussi et très différente en effet. Ou parce que, effectivement, quand c'est une fiction pure, en fait, tout est possible, comme tu disais très bien. Mais quand on est confronté aux contraintes du réel, c'est très passionnant aussi, parce que dans la restitution, en tout cas de l'écriture, l'idée c'est quand même que les gens se reconnaissent, enfin ceux qui ont participé. Or, il y a une élaboration qui est toute différente, mais qui relève aussi de l'élaboration de la fiction. En fait, tout devient un récit. Et ça, cette espèce d'euphorie que ça donne, alors je ne sais pas si tu l'as quand tu écris des scénarios, mais moi je dois dire que quand je faisais des chroniques, j'étais très, très heureuse de faire ça, parce que tout d'un coup il y avait une sorte de bouillonnement. Le regard évidemment n'est pas le même que lorsqu'on se promène comme ça, on est affûté, hein, on est à la recherche des choses. Mais c'est tout à fait merveilleux, parce que on écrit en collaboration aussi quand même, d'une certaine manière. Oui, voilà, ouais. on n'est plus l'œuvre n'appartient plus qu'à nous. C'est ça, c'est ça. Ça devient une œuvre collective. C'est ça, et pour moi c'était très précieux aussi, parce que j'ai toujours eu une sorte de réticence à publier. Enfin, j'avais toujours un peu de mal avec ça. Et là, du coup, j'ai trouvé plutôt une sorte de sérénité dans la publication, parce que je me sens moins seule, quoi, voilà. Oui, c'est un peu une particularité que tu as, c'est-à-dire on a presque l'impression que des fois que tu t'excuses de faire ce que tu fais. Oui, un peu, oui, mais t'es à côté un peu honteux chez moi, non, tu sais. Non, ça, oui, ça marche, c'est bien, j'ai l'écrit, je publie, donc oui, faut pas t'excuser. C'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... À la fois de sérénité, parce que tu avances, tu suis ton chemin tranquillement, sans embûche particulière. Non, j'ai toujours eu beaucoup de chance, voilà. C'est vrai. Et aussi de modestie, d'humilité par rapport à ce succès et à ce qui t'arrive. Oui, parce que c'est très différent de l'expérience, comment dire, c'est impérieux d'écrire, c'est une nécessité. Et il y a toujours eu chez moi quelqu'un qui avait un peu honte de l'exposer, si tu veux, tu vois ça. Une pudeur. Oui, ah oui, mais vraiment, et qui me paralysait littéralement. Et j'ai eu beaucoup de mal, non pas à publier, à être publié, mais beaucoup de mal à accepter cette idée, tu vois. Et bon, maintenant, je commence à avoir un peu de bouteille et tout, mais c'est rassurant pour moi, justement, de travailler avec les autres et
d'intégrer les autres dans mon travail et qui m'intègrent aussi, parce que la réciprocité, moi j'ai beaucoup appris, j'aime apprendre, j'aime admirer, j'aime apprendre, et j'ai beaucoup appris dans ces relations, dans ces amitiés, parce que ça aussi, là vraiment il y a le lien entre l'amitié et la littérature, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé des liens d'amitié qui ne se sont pas démentis, puisque c'est des personnes que je vois encore et avec qui j'ai des liens très très affectueux, quoi. Puis les liens d'amitié qui se créent dans un travail de création, c'est vraiment des fondations qui durent. Mais oui, c'est éternel, je crois. Enfin, ça dure autant que nous, en tout cas, parce qu'on traverse des épreuves qui n'en sont pas pour le commun des mortels, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se produit, qui est une espèce de symbiose avec les autres. On va tous dans le même sens et on voit les interrogations profondes aussi. Et puis, on est un peu décalé par rapport au temps matériel habituel et on se pose des questions, on apprend beaucoup sur soi. Or, au fond, écrire, c'est aussi pas forcément se regarder le nombril, mais c'est quand même s'interroger très... Ah oui, s'interroger sur soi, pas que sur soi, sur le monde aussi d'ailleurs. Hein. On va y revenir, c'est un peu ce que tu as fait aussi dans ton dernier livre. Là, on est sur une place que tu aimes particulièrement. Ah oui, je l'aime beaucoup parce que alors, cette place qui était la place d'or, j'avais écrit une chronique sur cette fontaine qui était aussi la place, maintenant qu'on appelle la place aux grenouilles à cause des petites grenouilles qui embellissent un petit peu la fontaine. Cette fontaine, en fait, a été creusée par un Corse hein, et le comte de Beaumont l'avait récupérée en échange de quelque chose. Et Marcel Fedel, l'ancien maire de Saint-Florent, qui était frustré de ne plus voir cette fontaine qu'il aimait particulièrement. On connaît la valeur, la charge symbolique de la fontaine pour nous. Hein. Donc il s'est dit quand même il fallait que ça revienne au village. Et il a proposé au comte de Beaumont de la restituer, ce qu'il a très gentiment accepté. C'est pour ça qu'elle s'appelle la fontaine de Jean, ce qui est amusant, parce qu'on pourrait croire à une inversion avec Jean de la Fontaine. Non, mais c'est vraiment la fontaine de Jean. Et il l'a rendue à la communauté, et je trouve ça très bien. Et c'est un lieu, la fontaine... fédère, c'est-à-dire les jeunes, c'est magnifique. Un lieu de rendez-vous. Mais voilà, c'est ça. Et c'était un lieu de rendez-vous amoureux, ça a produit de très belles chansons. Les fontaines, en général, c'est souvent des lieux de rendez-vous amoureux. Oui, parce que c'est très romantique, c'est très joli, avec ses reflets, enfin, etc. Alors, on fait une petite halte vers nos internautes, hop, en essayant d'éviter les moustiques et les mouches. Arrêtez-vous chez Revers, mangez une glace, c'est meilleur. bon, tous les gens, coucou Dominique, il nous fait un coucou les gens. Damon, il fait chaud, ça bloque. Oui, il fait très chaud ici. Saint-Florent, c'est bon le soir, de Jamrif. Anne-Marie Mathé, j'adore Saint-Florent. Geneviève, un bonjour à tout le monde. Suzanne, meilleure salutation d'Allemagne. Ah, c'est bien. On a des gens qui nous regardent. La Corse me manque cruellement chaque jour, j'imagine. Oui. Florence, départ de Saint-Florent avec le bateau Popeye pour la plage du Laude, c'est magique, je recommande. Dominique. Il y a plus moche comme cadre, c'est vrai, il y a beaucoup plus moche. Marc Boudé-Bouda, j'adore. Joël Ivanovski, oh, les chaussures des touristes. Ah oui, les touristes, ils se promènent, ils ont des sandales, ils ont raison. Francine, très beau Saint-Florent. Nicole qui demande qui est le caméraman. Colny, très beau Saint-Florent de Marie-Claude. On approche de la vis, très beau reportage, merci. Joël, magnifique, pas trop de monde, trop chaud. Oui, il n'y a pas encore trop de monde, mais ça vient. On n'entend pas très bien Laurent, c'est normal. Je pense que ça devrait aller. On fait des vérifications en même temps. Très beau reportage, ravi d'entendre Madame Ferrand, d'Anne-Marie Mathy. C'est gens sympathiques ici, vraiment, vraiment, vraiment. C'est très agréable. Et puis oui. Le soir, en plus, on est près, comme on est près de la mer, ah oui, hein, vous pouvez voir, là, il y a soleil, la vue sur la mer. On est vraiment, il y a une vue splendide sur le golfe de Saint-Florent. Oui. On parlait donc de Corse Odyssée, le spectacle qui avait eu lieu, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Ton actualité, on va dire, ton actualité ces deux dernières années, ça a été aussi une pièce de théâtre, Marianne Gentil, oui. Où tu as écrite. Mais en tout cas, tu as fait connaître cette héroïne, oui. C'est une héroïne qui a existé, Marianne Gentil, hein, mm-hmm. Originaire d'Oléta, je crois. Oui, tout à fait. Et qui est l'illustration parfaite dans la vraie vie, oui. J'allais dire, dans oui. Le réel, du mythe
d'Antigone, c'est ça ? Oui, et ben voilà, ça c'est la richesse des rencontres. C'est Guy Calvelli, le chanteur des Campagnols, qui, alors honte à moi, mais j'ignorais l'histoire. Mais ça illustre tout à fait ma théorie. Enfin, j'en ai beaucoup, mais c'est là que c'est qu'on ignore ce qui nous est proche. Et donc Guy m'a raconté cette histoire parce qu'il avait demandé une chanson à Jacques Fousine, qui s'appelle d'abord le Lamento di Maria Gentile, que Jacques a écrit. Je me suis dit c'est trop. Voilà, c'est justement par référence à Antigone, j'étais un peu écrasée par tout ça. Et puis après, Jean-Guy Talamone, il m'a encouragée à l'écrire, m'a envoyé une pièce écrite en Corse où visiblement il y avait un peu une schizophrénie de l'auteur qui en 1912, parce qu'elle date de cette époque, n'osait pas tout à fait condamner les Français. Et donc il était dans un entre-deux un peu gênant. Et je me suis dit, là, on peut certainement apporter un regard différent et être plus dans l'histoire elle-même. Quoi, voilà. Oui, parce que deux mots pour raconter l'histoire de Maria Gentile. Maria Gentile va être amenée à aller, son fiancé, son ami est exécuté par les Français, c'est après. Avec une interdiction formelle de donner une sépulture digne de ce nom à ces Corses qui avaient été exécutés. Et Marie Gentil va braver cette interdiction et donner une sépulture à son homme. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, on retrouve la même structure qu'Antigone. On se dresse contre la loi, au péril de sa vie, puisqu'elle risque la même condamnation. Et donc, elle va de nuit pour enterrer son fiancé, pour lui donner une sépulture, et elle est graciée par les Français. Oui, parce que là, on est vraiment dans l'application de ce qu'on peut appeler la désobéissance civile ou la résistance. C'est ça. Hein, on est vraiment dans ce type d'héroïne très, très humaniste, en fait. C'est ça, extraordinairement, parce qu'elle s'élève à la hauteur d'une morale immense et de façon, j'ai envie de dire, instinctive. Alors, dans ce mot d'instinct que moi, j'aime beaucoup, il faut entendre aussi la religion, il faut entendre un mode de vie, un mode de pensée. Et puis l'amour, je pense qu'elle portait à cet homme, parce que elle rend son humanité, en fait, à cet homme. Elle lui restitue son humanité, parce que là, ils sont considérés comme des chiens, hein, donc c'est juste épouvantable. Et c'est une belle histoire, enfin moi j'ai adoré cette histoire. C'est une magnifique histoire. Et alors là, évidemment, j'allais dire tirage au Ananto Biscotto. Cette pièce, elle a vu le jour. Tu as vu ces personnages que tu as écrits, tu les as vus de chair et de sang, d'émotion surtout, hein, dans une pièce qui a été jouée, mise en scène par Alexandre Pechini. Oui. Alexandre Pechini, dont on va reparler, parce que la semaine dernière, nous étions tous les deux à une projection de son premier court-métrage sur tes traces. Ah oui, moi j'aime beaucoup son travail. Très beau film. Ah oui, très beau film. Alexandre est très talentueux. Mais ça, il y a eu un coup de foudre amical avec Alexandre, puisque je ne l'avais pas vu, qu'il était déjà engagé pour Maria Gentile, parce que je lui avais envoyé la pièce, il avait beaucoup aimé. Et il était tellement bouillonnant d'idées, tellement enthousiaste, enfin tout ce que j'aime au fond, que je me suis dit, mais il est inutile d'hésiter, donc ce sera toi. Et on a travaillé ensemble vraiment d'une manière très harmonieuse et j'espère qu'on retravaillera ensemble un jour. Et donc là, il développe ses activités. Il est lui-même auteur d'ailleurs. Il a fait une pièce qui tourne bien, qui est jouée à Paris, c'est T-Rex. T-Rex, très bonne pièce qui est passée à Bastia. Qui est passée à Bastia, que moi j'ai vu deux fois et c'était très très bien et très amusant. Il est très bon comédien aussi. Hein, très bon. Très bon comédien. Et il a fait un film magnifique. Alors j'ai écrit un petit texte sur Facebook. J'ai pas voulu dévoiler l'histoire parce qu'il va être en compétition à l'âme. Mais vraiment, le 30 juillet. Très beau film, très sensible, joué magnifiquement, je dois dire. Hein, tous les acteurs sont superbes. Oui, on peut en citer quelques-uns. Saveria Thomas, Marie-Pierre Nouveau, Rocky Mérefi, Doria Rousseau. Oui. J'oublie certainement. Pour Maria Gentile, oui. Alors, Maria Gentile, on va citer Mia Trinanton qui jouait Marie.
Il y a eu Esther Christiane qui a pris le rôle de l'amie de Marie et puis qui était enceinte et donc qui n'a pas pu poursuivre le rôle. Et c'est Océane Courmalaron qui l'a repris. Il y a eu Saveria Thomas et Roselyne de Nobles qui l'a repris. Et tu citais Marie-Pierre Nouveau pour le film pour de le film Sur tes de, traces. voilà. Marie-Pierre, avec qui moi j'ai eu le bonheur de tourner, et Cédric aussi à Pietro, avec qui est un merveilleux acteur. J'ai eu le bonheur de tourner il y a 10 ans dans un court Ah oui, métrage fabuleux. qui s'appelait Assassin, et où il était génial. Oui, deux très bons Ah acteurs. oui. Et le gamin, Tim Colonna, qui est très bon aussi. Hein, Stupéfiant, en effet. Hein. Il est naturel, extraordinaire. Ah oui, il ne faut pas oublier les Campagnols, quand même, Oui. qui ont Thomas. chanté donc la chanson de Jacques Voilà. Fousine et qui ont chanté durant toute la pièce, qui avait même un petit rôle dans la première version. Et après, ils étaient simplement chanteurs. Alors, nous, on papote, Oui, mais du coup, il voilà, faut regarder quand faut même, regarder un oui. peu le paysage. On est devant la citadelle, hein, Oui. donc bâtie par les Génois, C'est ça. au XVe siècle. 15e siècle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cette bâtisse, elle traverse le temps avec cette pureté de ligne. Elle est absolument fabuleuse architecturalement. Elle est posée là. Elle a un endroit évidemment idéal parce qu'on découvre absolument l'horizon et c'était fait pour. Hein. Il y avait quand même une utilité. Mais je trouve qu'avec une économie de moyens, il y a rien de trop et c'est très très beau. Alors là, je disais une fois à Yann d'ailleurs, qu'on a la Méditerranée devant nous. Enfin, C'est c'est. vrai. Et on a la Grèce aussi, on a tout ce qu'on veut ici. On a la terre, on a le pin parasol, c'est merveilleux d'être ici, vraiment, les figuiers. Et puis il y a cette odeur que malheureusement on ne peut pas sentir à travers l'écran, mais ça sent délicieusement bon, hein. On a à la fois des embruns marins C'est ça. et des senteurs de la montagne C'est qui ça, c'est ça. Et la mer, c'est au mer, tel un bouclier d'argent avec cette lumière dessus, c'est superbe. Superbe. Non, ici, c'est un lieu magique, parce que un toucher aussi, et puis bon, peut-être intouchable d'une certaine manière, enfin j'espère en tout cas, mais. Quand on parlait tout à l'heure quand tu parlais tout à l'heure de cette nécessité d'être ici pour écrire, c'est aussi à cause de ça, c'est-à-dire que c'est inspirant, comme on dit. Ah, totalement, enfin j'aurais. Alors, évidemment, quand on écrit, on oublie, hein, mais on n'écrit pas tout le temps et on lève la tête et il y a ça quand même. Enfin, il y a cette Méditerranée qu'on a sous les yeux. Moi, c'est pour ça que j'ancre mon écriture absolument depuis toujours en Corse. Enfin, je veux dire que c'est pas un thème d'emprunt, je veux dire, c'est un thème organique quasiment. Et c'est pour ça que je travaille aussi sur la langue corse. Je n'écris pas en Corse, mais j'aime bien qu'il y ait cette langue qui résonne dans mes livres aussi. Pietro Guelfucci avait témoigné en Corse, les chansons corses évidemment, et puis certains textes dans Marguerite et les Grenouilles. J'avais demandé à Romano Giorgi de me traduire, c'était pas nécessaire puisque le témoignage était en français, mais cette dame, j'avais envie qu'on entende sa langue aussi qui se mêlait au français. Je me suis dit, c'est intéressant, et je crois que vraiment cette langue française, cette langue corse qui pour moi résonne différemment. C'est un motif extrêmement complexe et extrêmement, extrêmement inspirant pour moi. On descend un peu par là. D'accord? On parlait cinéma. Oui. Moi, il y a un livre de toi où franchement, je me dis, celui-là en particulier, Oui. ça ferait un superbe film. C'est Une haine de Corse. Cette haine qui existe entre Pozzo di Borgo et C'est Napoléon, fabuleux. une haine de quartier, j'allais dire, au C'est ça, départ, hein, mais et absolument. qui devient une haine mondiale. C'est-à-dire, Mondial. il y a une guerre mondiale C'est ça. à cause, enfin, peut-être pas à cause, mais en tout cas, on retrouve cette haine, puisque Pozzo di Borgo va devenir conseiller du tsar. Tout à fait. Et, Un rôle importantissime qu'on lui a dénié ici en particulier, parce que après l'histoire s'est chargée de modifier les choses. Mais c'est un personnage qui comptait autant que Metternich et Talleyrand. C'est un personnage clé dans la diplomatie française de ce début de 19e siècle et qui a d'ailleurs, qui a contribué à la construction de la première Europe en 1815 à Vienne, au Congrès de Vienne. Hein. C'est extraordinaire. Voilà, c'est une adaptation. Tu y penses, toi, des adaptations comme ça? Tu vois des images, forcément, quand tu écris. Moi, je vois que ça. Je suis très visuelle, donc j'essaie de traduire les images. Un peu le contraire, hein, Traduire les images voilà, en mots. en mots. Et au fond, on fait un peu le même travail, hein, d'une certaine manière.
Et c'est vrai que ça serait un film merveilleux, hein, parce que on a tout, on a la fin de l'Ancien Régime, on a la Révolution, on passe par... Et on a cette phase ascendante de Napoléon, d'ailleurs fulgurante et très inquiétante au fond. Hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les titres, ça disait « Pour vous que ça dure hein, », c'était très inquiétant. Et on voit Pozzo-di-Borg s'enfoncer. Et tout d'un coup, c'est lui, d'ailleurs Talleyrand a dit, décidément on aura toujours des Corses, parce que quand Napoléon est vaincu à Waterloo, qui est le principal instigateur du retour de Louis XVIII, eh bien c'est lui qui le prévient, c'est lui qui le fait revenir, c'est Pozzo-di-Borg. Donc il y avait une intelligence, et puis un réseau, une efficacité qui était exceptionnelle. Alors on est sur les remparts, hein, sur les remparts de la citadelle. Et quand on voit ce paysage, ça fait penser à un titre d'un de tes derniers livres qui est Un peu de temps à l'état pur. Oui, c'est ça. Ça symbolise un peu ça. Un peu de temps à l'état pur, ça veut dire aussi autre chose. C'est un peu de temps pour échanger avec Jean-Guy Talamoine. On en revient à l'idée de Maria Genti, Bien sûr, c'est le fil rouge. Je pense que cette correspondance part de un tout peu à de fait, ça, hein. Tout à fait. Mais c'est ça. Mais je crois que la Corse, pour moi, c'est aussi ça. C'est beaucoup de temps à l'état pur. Voilà. C'est un luxe. Ah, c'est un luxe. Mais c'est le luxe absolu, hein, je pense. Hein. Et donc, on a emprunté cette citation à Marcel Proust, mais elle est tellement compréhensible immédiatement pour nous, je crois, qu'on n'a pas besoin de l'expliciter. C'est peut-être moins évident pour des continentaux, mais pour nous, c'est vraiment évident, je crois. Et c'est vrai que cette correspondance qu'on a faite durant 4 ans, qu'on poursuit d'ailleurs, c'est une discipline aussi d'approfondissement, et ça donne une distance sur nos actes, nos pensées. C'est un travail sur soi qui est à la fois léger, parce que c'est un plaisir partagé. Mais je me disais dernièrement, mais qu'est-ce que ça modifie au fond? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Et je crois que vraiment, c'est un exercice spirituel, pratiquement. Et donc moi, je suis très attachée à cette correspondance. Et l'amitié, là aussi, s'est tissée au fil des échanges. Nous avions une grande sympathie mutuelle, ça certainement. Mais là, je crois qu'on est plus dans la profondeur, la complicité, on se connaît mieux, on échange plus facilement aussi, donc on aborde des sujets que peut-être on n'aurait pas abordés avant, donc tant qu'on pourra, je crois qu'on la poursuivra. Oui, c'est intéressant, et c'est assez inédit d'ailleurs de publier une correspondance entre toi et Jean-Guy Talamoine, qui est devenu, puisque la correspondance a été entamée avant, qui est devenu président de l'Assemblée de Corse. C'est ça. Alors, c'était... on est parti sur quelque chose qui était un désir de publier, parce que c'était nos conversations que je trouvais dommage qu'elles se perdent, parce que c'était un peu particulier, et puis on était apparemment aussi très différents, bien que se retrouvant beaucoup sur les choses profondes, mais... L'idée de publier nous est venue assez tôt. Enfin, de tenter, parce que rien n'est jamais sûr, mais on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une correspondance entre deux personnes vivant au même moment, avec la complexité de cette île et de ses rapports aux autres, etc. Et la politique aussi, qui est très passionnante. Donc on s'est dit que ça serait intéressant. Ça donnerait à la fois un regard immédiat et distancé sur les choses qui se produisent. Et donc, on est très attachés à continuer ça, en fait. Et puis ça sert à s'interroger aussi, parce que si qu'on soit politique ou créateur, auteur, je pense que le doute est une partie importante pour faire avancer, c'est-à-dire douter, s'interroger, se confronter aux opinions et aux avis des autres, c'est, je pense, plus un enrichissement qu'un frein. Mais c'est absolument nécessaire. Je crois que si on ne doute pas, si on est sûr de soi, on a raté quelque chose tout de suite. Hein. L'incertitude est très, très... L'intranquillité, comme disait Pessoa, est tout à fait nécessaire. Alors là, on a un paysage fabuleux quand même. On s'arrête un peu ici. Ah, hein, oui, j'en profite pour faire aux internautes. Oui, oui, bien sûr. À Michel, Saint-Florent, absolument, avec sa citadelle, qui retourne chaque année. Marie-Madeleine, vivre en Corse, exercice spirituel, c'est vrai, c'est un exercice spirituel. Régine, la Corse, une perle, oui. Marie-Madeleine, rempart de la citadelle. Marie-Madeleine qui nous écrit beaucoup. Lolotte qui dit coucou, je suis là, nous aussi on est là. Marie Ferrand écrit en Corse, c'est son choix, très belle émission.
de la part de Marie-Madeleine, Nicolas Vivagour, Sierra, bonjour, plein de bonjour Marie de la part de Josiane, Pelou, Lucien qui nous envoie Ah, un petit ça, c'est coucou. gentil, un petit Mais signe. bonjour à Lucien qui nous fait signe. Voilà, et on a cette vue sur le de Saint-Florent. Ben ça, c'est somptueux. Alors, Ouais. tu vois, moi, ce que je veux dire quelque chose là-dessus, Oui. parce que bon, c'est évidemment un village de pêcheurs à l'origine. Et tu vois, ces couleurs qui n'en sont pas tout à fait. Il y a une sorte de mélancolie dans la couleur en Corse qui m'enchante. Et qu'hélas, on est en train de perdre par mimétisme avec les Cinque Terre, et tu vois, ces couleurs extrêmement violentes. Qui ne nous vont pas à l'esprit, en tout cas pas moi, que j'admire infiniment, hein, j'adore Portofino, etc. Mais ici, je trouve qu'on gagnerait à être. C'est comme si les gens, pour un certain nombre de raisons, mais ne voulaient pas rivaliser avec la nature et la beauté de la mer. Et alors, on a ces toits merveilleux de l'Auze avec cette mousse qui court dessus, qui dore un peu les choses, qui change selon la lumière. On a ces beiges, ces blancs cassés, voire ce ciment même à l'état pur. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Moi, j'aime un peu même la décrépitude, je dois dire. C'est peut-être pas. Bon, j'aime bien les choses qui ont vécu, qui se patinent, qui sont même en train de se défaire. Pour moi, ça participe à l'esthétique. Et j'aime pas les. Ça raconte une histoire. Mais comment? Mais bien sûr. Et des choses qui sont clinquantes, qui ont des couleurs extrêmement agressives, qui sont pas en soi laides, mais qui, en tout cas, ne coïncident pas avec la beauté du lieu. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et là, pour moi, c'est juste parfait. Voilà, même si on a l'impression parfois, on voit des apiches, on voit Oui, c'est pas des somptueux. couleurs bizarres, enfin en tout Oui, cas des choses qui oui, pas forcément harmonieuses, le tout. oui. Eh oui. Forme quand même quelque chose de très harmonieux en Alors, fait. oui, très beau. Et là, on a, en revanche, il faut le signaler aussi, on n'a pas le clocher qui était en ciment brut. Et c'est très réussi, je trouve. C'est très discret, c'est très réussi. Donc, ça, c'est bien. C'est bien qu'ils aient réussi ça. J'avais peur qu'on se retrouve avec un clocher. De couleurs baroques vénitiennes, par exemple, qui sont très belles à Venise ou à Rome, où c'est rouge romain, très lourd, mais qui, au bord de mer, dans un petit village de pêcheurs, ne coïncide pas avec la beauté du lieu. Enfin, à mon sens. On repart. Oui, on repart. Je voudrais qu'on parle un peu aussi de ton dernier livre, une histoire d'un assassin. Ou alors, là, tu interroges vraiment aussi la Corse sur son rapport évidemment à la violence, Oui. hein, mais aussi sur son rapport à la réécriture de l'histoire, j'allais dire, hein, parce que chacun réécrit un peu sa propre histoire. Totalement. On a au travers de cette histoire d'un homme qui assassine son grand-père et son frère cadet, je ne vais pas tout Oui, dévoiler. bien sûr. On a un peu, fais attention, hein, parce que là, il y a une belle marche. Oui. Voilà. Il faut pas perdre. On a vraiment l'impression que tu as voulu interroger la société corse, y compris l'interroger sur la société contemporaine, hein, Oui. avec ça, à travers l'histoire. Hein. Oui, moi, pour moi, ça faisait tout à fait écho à la société contemporaine. C'est-à-dire que la proximité induit une relation qui échappe un peu à la règle convenue, à ce qu'on peut attendre, en règle générale, dans une société urbaine, déjà. On va redescendre. On va redescendre par là. Et il me semblait que, au fond, c'est un héros tragique. Comme souvent les meurtriers, mais celui-là en particulier, puisqu'il tue son père, son grand-père, pardon, et son frère. Et il y a eu un personnage que là j'ai vraiment inventé de toutes pièces, qui va essayer de rendre l'innocence héroïque, en quelque sorte, de cet homme. Et De faire de l'assassin d'en faire une victime, en quelque mais sorte. tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, enfin, je l'ai conçu comme ça, mais c'est l'élaboration, la mise en scène, la théâtralisation littérale du procès. Et la corruption du journaliste, et la corruption de l'avocat. Bon, donc on n'hésite pas, au nom d'une morale dont il faudrait chercher l'origine dans un lien très complexe, de pouvoir aussi, naturellement, mais pas seulement, de séduction, d'amour frustré, enfin, c'est très compliqué. On a cette impression que ça échappe à la rationalité. Mais le meurtre, on le comprend évidemment que ça échappe à la rationalité. Mais même la façon d'envisager
ce procès, les suites de ce procès, etc., ça échappe totalement à la rationalité. Et on voit bien que, en fait, les témoignages basculent selon qui intervient pour les faire basculer aussi. Hein. Et les gens sont dans quelque chose de qui leur échappe sans qu'ils le sachent. Puisque par exemple la femme qui décide de s'occuper de l'assassin va jusqu'à dire comment l'épouse de l'assassin doit s'habiller au procès, comment elle doit se tenir, etc. Et elle rate pas son coup d'ailleurs. Déjà dans le storytelling. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle a, elle a une telle connaissance des codes et des réflexes psychologiques pour se conformer à une norme fantasmée aussi, qu'elle est tout à fait, elle coïncide pile poil, et d'ailleurs il n'est pas condamné du tout à la hauteur du crime. Donc elle réussit, elle triomphe même d'une certaine manière avec sa stratégie, parce que c'est une stratégie, littéralement. Donc ça m'a beaucoup intéressée, parce que je pense que, d'abord il y a des traces dans notre société actuelle de ça, et puis ça fait écho, et puis ça interroge aussi sur la violence, sur le type de violence qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui ici, sur les... ce qui anime quelqu'un qui se venge, enfin, finalement c'est une histoire qui a l'air simple, mais qui a des enjeux fondamentaux. Oui, très complexe, et puis aussi sur, justement, qu'est-ce qui reste de ces histoires, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que les gens gardent, comment on fabrique aussi, j'allais dire, une autre histoire, hein. C'est assez commun en Corse, on a longtemps fantasmé sur les bandits d'honneur et 80% d'entre eux étaient des racketteurs sans honneur. Hein. Évidemment, on se souvient de Prosper Mérimée, etc., mais ça, je trouve que ce qui est intéressant dans ton bouquin, c'est que justement, c'est que ça interroge là-dessus, quoi. Et on n'est pas exempt, nous, Corses, de vouloir sans cesse réécrire notre propre histoire. On le fait sans arrêt, je veux dire que j'ai l'impression parfois d'être scriptrice de ça. On aime les légendes, il y a en nous, on admire quelquefois ce qui n'est pas forcément moral mais qui est bien fait, qui a du panache par exemple aussi, ça joue ça, là-dessus aussi. Bon, aujourd'hui la grande différence c'est qu'on a cette obsession de l'identité. Qui n'y avait pas à ce moment-là, puisqu'elle ne se posait pas cette question, au fond. Il y avait des normes sociales, des codes établis, avec des gens qui avaient un peu plus d'argent que les autres. C'était ça la grande différence. Aujourd'hui, l'identité, elle est beaucoup plus abstraite. Je veux dire, c'est l'identité, elle se pose comme sur la langue, sur le... Alors, c'est très étrange, parce qu'en même temps, on revendique l'identité et la langue, et cette langue, elle est surtout essentiellement usée dans le chant. Mais oui. Très peu dans la vie, il faut le dire. Donc on est devenu tout à fait francophone. Hein, et cette, alors, ça pose quand même des... et quelquefois, ça donne lieu aussi à des ambiguïtés, voire à des fermetures d'esprit qui ne sont pas très éloignées, au fond, des gens d'extrême droite continentaux, même qui sont très raccord avec ça. Quoi. Alors ça, ça m'interpelle aussi. Hein. Oui, c'est un peu ce que dit Jean-Claude Acquaviv dans son interview encore ce matin, dimanche dernier. Il faut faire attention à ce que véhicule le nationalisme, parce que ça peut véhiculer aussi des idées d'extrême droite, en gros. Je crois qu'il faudrait, on en a parlé quelquefois avec Jean-Guy Talamoy, il faudrait peut-être redéfinir ce qu'est le nationalisme corse. Exactement. Hein, parce que ça n'a pas la même... à mon avis, il y a de grandes différences avec le nationalisme pratiqué sur le continent. Et d'abord, il n'y a pas la même histoire non plus du nationalisme. Ici, on dira que c'est lié davantage au XVIIIe siècle. En France, c'est lié davantage à l'histoire de la fin du 19e, ça part avec Dreyfus aussi, hein, je veux dire, un mouvement européen de conquête, etc. C'est très différent ici, sans oublier la pratique religieuse qui joue un rôle majeur, ce qu'elle n'a pas fait ces 20 dernières années sur le continent. Bon, là, les nationalistes corses, c'est plutôt des gens de gauche catho, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les extrémistes... qui vote Le Pen sur le continent. Mais... Et puis les enjeux ne sont pas les mêmes ici. Il y a la sauvegarde d'une culture qui est en jeu, la sauvegarde d'une communauté, d'un peuple qui est en jeu. Donc les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Pas du tout. Et ça serait bien de le redéfinir d'une manière large
et peut-être de faire des rencontres là-dessus, d'inviter des philosophes ou des psychanalystes, enfin, ou des sociologues, des gens qui ont pour métier de réfléchir et de les faire collaborer à une réflexion plus vaste. Ça serait peut-être intéressant. C'est peut-être un chantier, un chantier sur lequel il faut que tu te penches, Marie, parce que c'est vrai que les artistes ont souvent cette possibilité, ce privilège de pouvoir être des passeurs, et des passeurs d'idées, et aussi des passeurs de questions et de débats. C'est vrai. Enfin, moi, je trouve que, au fond, l'écrivain, quand il est tout seul, il est hors du temps. Enfin, il est un peu comme ça. On va passer sur cette passerelle, on va regarder un petit peu. Oui. Mais dans la société, quand ça redevient, j'ai envie de dire, un animal social, il a aussi des droits et des devoirs, surtout, qui sont d'alerter, d'être un peu des sentinelles. Alors, il ne faut pas trop se prendre au jeu de ça, il ne faut pas non plus devenir une sorte d'ayatollah insupportable, mais il y a quand même des choses qu'il faut dire, parce que le philosophe Wittgenstein disait « ce qui n'est pas nommé n'existe pas ». Et moi, je trouve qu'il est important de dire les choses que soit on n'ose pas dire, soit qu'on ne sait pas dire. Et là, je crois beaucoup au rôle de l'écrivain qui doit, puisqu'il a ce don de pouvoir s'exprimer par écrit, qui peut être comme un révélateur ou un alerteur ou quelqu'un qui dit là il y a des signes inquiétants, enfin quelque chose qui ne va pas, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut toujours prendre garde de relever ce qui est inquiétant, je crois. Tu as dit le mot sentinelle, c'est un joli mot qui, voilà, c'est pas donneur de leçons, pas moralisateur, mais repérer, relever, questionner, interroger, c'est toujours intéressant, et explorer des pistes. C'est ça. Au fond, c'est ne jamais faire ça sérieusement sans se prendre au sérieux. J'allais dire, ouais. Voilà, c'est le côté. Il faut faire ça sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, oui. Exactement. Comme les Américains le font. Exactement, mais ça, ils sont parfaits là-dessus, hein, je dois dire. Alors on arrive au bout de la jetée. Oui, alors moi j'aime bien cette jetée, je vais te dire pourquoi, parce que c'est des petits bateaux. Voilà, c'est des petits bateaux qui sont. Enfin, il y a peut-être même, on me dirait, c'est parce que tu n'y connais rien, il y en a qui sont très gros, mais enfin ça change des yachts, voilà, c'est oui, ça que oui. Je veux dire. Et c'est souvent des gens qui sont à l'année qui sont là. Donc j'aime bien les bruits qu'il y a quand il y a un peu de vent, ça grince, c'est incertain, ça bouge un petit peu, voilà. Et on a. Je trouve ça très beau d'être. On va retourner un peu voir nos internautes. C'est sur cette jetée qu'on va se quitter. On a plein de messages. Marie-Madeleine qui nous écrit encore. Nécessaire de redéfinir le nationalisme corse. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent. Attention à ce que véhicule nationaliste comme idée. C'est ce dont on parlait. Marie Ferrand, écrivaine à lire absolument. C'est très bien, on le sait, et bravo, merci de le dire. Voilà, plein de messages. On va se quitter ici. Merci pour cette conversation et cette balade dans Saint-Florent. On a redécouvert. Agréable. Merci à notre caméraman parce qu'il transpire beaucoup. Oui, pauvre. Et puis, on va se donner rendez-vous demain. Nous, on fera une balade dans le Cap, hein, et on retrouvera Yann Bénard qui va se promener, notamment à Chentour. Merci à tous et puis à demain. À très bientôt et surtout ne lâchez rien.